Bienvenue dans la guidance du jour. Allez, c'est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On y va. J'espère que tu vas bien. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Allez, on va faire le domaine sentimental. Après, on fera le domaine professionnel. Ça vient de se retourner, domaine sentimental. Alors là, déjà, tu vois, il est question vraiment de vaincre les difficultés. Ah, il est question de jugement. Voilà, peut-être malgré justement les jugements ici. Il y a peut-être un passage devant la loi, l'administration. Il y a une notion aussi peut-être d'être jugé, critiqué, mais c'est pas très grave parce que on voit là, on peut déjà voir que quand même les choses vont être déjà positives et qu'elles commencent plutôt bien. Alors quand je regarde déjà mon 10 de trèfle et le petit sujet de gauche où on a une grappe de raisin, de belles grappes de raisin, d'abord on nous parle de bonnes énergies. Hein. C'est le petit sujet qui est ici, en plus bon, on a Mars, donc il y a une notion de force et de combativité, c'est assez intéressant parce que ici on retrouve ici aussi Hercule là, qui étouffe le lion, il est question de force et de combativité aussi également. Donc ici il y a vraiment ce désir de passer au-delà des obstacles, ce désir de réussir et de faire en sorte que cette relation elle fonctionne et que ça marche, d'accord. Il y a vraiment un investissement. Avec force, avec courage, avec combativité, mais à 100% dans la situation pour que ça fonctionne. Alors, ici, ça nous parle de sentiments qui sont stables, qui sont profonds. C'est-à-dire que même s'il y a eu des soucis, des difficultés, quelque part, on te demande, il y a une notion de foi en fait ici. On te dit, mais c'est du solide. Hein, c'est du solide et on te donne le courage et l'énergie avec Hercule qui étouffe le lion de la forêt de Némé qui dévore tous les habitants. Justement, d'y arriver, on voit que c'est difficile, que c'est compliqué, c'est pas facile, mais il y a vraiment une force et une énergie qui sont là pour construire un avenir sentimental sur des bases saines, stables, solides, sécurisantes. Et là, s'il y a eu des déceptions, ben on te dit que c'est derrière, en fait. Hein. Tout ce qui est difficile sera derrière, sera oublié, la relation pourra évoluer dans la quiétude, dans la sérénité. Hein, c'est de ça que ça te... C'est ce que notre petit sujet, notre grappe de raisin, viennent nous dire. Hein. Vraiment, hein. Il y a une notion de détermination, on retrouve ça deux fois. Courage, détermination, être vainqueur des obstacles, des difficultés importantes. Tu vois ici, les deux chevaliers, ils traversent le champ du camp, le champ de bataille du camp ennemi, là. Et puis, ils sont tout fiers, ils n'ont pas peur. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle de détermination, on parle de succès, de réussite aussi, de réussite rapide. Hein. Malgré que mon jeu soit pas très rapide quand même, parce que là, j'ai noir, hein. Trèfle épique, c'est noir, cœur, c'est rouge. Donc, en général, quand on a plus de noir que de rouge, c'est pas vraiment rapide, mais il nous manque une quatrième carte. Donc là, dans le domaine sentimental, on va te donner cette envie de vaincre. On va te donner la niaque, hein, on va te donner cette combativité, ce courage d'y arriver. Et il y a cette notion, on voit qu'ici, j'ai quelqu'un qui se met à fond dedans, qui veut que ça fonctionne, qui veut que ça marche. Hein. Donc la réussite et le succès sont là. Ça nous parle beaucoup d'efforts qui sont récompensés aussi, parce que du coup, après, eh bien, justement... C'est suite au combat d'Hercule avec le lion que est née la constellation du lion aussi. Donc ça nous parle du mois d'août aussi ici. Et peut-être que tu es du signe du lion si cette guidance te parle. En tout cas, la constellation de Régulus, ça nous parle qu'il y a une réalisation des projets. Hein. Ça se concrétise, hein. Ça se fait. Hein. Voilà. Les efforts sont récompensés. Alors il y a une notion de faire preuve de bon sens hein, avec la lettre P aussi quand même ici, il faut le dire. Il y a une notion de temps du coup parce qu'on a un signe du zodiaque et ici en tout cas ça nous montre aussi là encore une fois la force des sentiments. On parlait de sentiments profonds, sincères, mais là c'est plus que ça, c'est les sentiments ils sont forts, il y a une force, il y a une puissance ici. Hein. Il y a quelque chose aussi de magnétique. De fort aussi, de passionnel, mais pas la passion qui brûle, c'est quelque chose qui va harmoniser la relation et même consolider les liens, renforcer les liens. Il y a une notion de confiance ici.
Alors, évidemment, qui dit force-puissance, il peut y avoir des rapports de force aussi. Mais ces rapports-là ne vont faire que renforcer les liens dans la relation. C'est important de le dire quand même. Et j'aime bien le langage floral parce qu'il y a une puissance sur les événements. Là, il y a quelque chose de fort aussi avec l'immortel, le lilas et l'arôme. Voilà. Donc là, ça nous montre, comme la carte est au centre, qu'il y a un désir de voir cette relation voilà, fonctionner. Malgré un valet de pique que j'aime pas du tout, ça, il faut quand même le dire. Et puis surtout, le petit sujet de droite qui nous parle de désaccord. Donc c'est pour ça que ça nous montre que malgré les désaccords, malgré les conflits, les maisons teintes, on parlait de rapports de force. On voit que les rapports de force, ils vont permettre justement la consolidation des liens. Malgré les rapports de force, malgré quelque chose qui est tendu, eh bien, il y a une réconciliation qui est possible parce que les deux autres cartes autour nous montrent que c'est possible. On va voir avec notre quatrième carte, hein, parce que bon là, ça nous parle de désaccord et justement, ça nous dirait, ouh là là, ça va être compliqué. La réconciliation va être difficilement... possible, hein, c'est vraiment. Et des fois, il y a des choses qui vont devoir aussi se régler devant la loi. D'accord? Mais il y a une notion, en fait, de bien d'abord observer les faits. Je parlais de bon sens tout à l'heure, de peser le pour et le contre. Et des fois, bah, faut que ça passe devant la loi ou devant l'administration pour que les choses se passent au mieux aussi. Alors, je vais aller avec une quatrième carte. J'aime pas cette carte, j'aurais voulu pas tomber sur autre chose que ça. Ça, c'est la prudence, en fait, ça mène à la prudence. Donc, on voit très bien que... Donc, je dirais que là, c'est nuancé. Il va falloir faire attention au rapport de force. Et peut-être, j'entendais, vraiment, c'est pas dans les cartes, mais j'entendais de mettre de l'eau dans son vin pour que les choses puissent se passer au mieux, pour avoir la réussite, d'accord? C'est vraiment ça. Là, j'ai l'impression que moi, j'ai des personnes qui s'aiment. Mais il y a peut-être des tempéraments forts, hein. Le lion c'est un tempérament fort, alors là j'ai le lion, là j'ai la balance, hein. Là on est en octobre, hein. Voilà, et pour moi il y a quelque chose aussi, il faut faire attention à l'entourage proche ici qui sème la zizanie, qui peut être très toxique avec cette carte là. Néanmoins Inquisition nous parle de changements qui sont vraiment bénéfiques, qui sont vraiment positifs. Donc là, faut faire attention parce que le danger peut être de toutes parts et c'est pour ça que les choses, elles se règlent certainement devant la loi en fait. Mais vraiment attention au rapport de force. Parfois, bah oui, ça peut nourrir la relation, mais là, s'il y a une question juridique, eh bien, il va falloir trouver un équilibre comme la balance. Parce que, et surtout, de mettre de l'eau dans son vin pour éviter, bah voilà, il va falloir éviter de mettre de l'huile sur le feu pour éviter de... des situations vraiment pas agréables. Pour moi, j'ai un entourage ici qui est pas bon, qui est pas bon et qui peut même peut-être étouffer l'un des deux avec une sorte d'entêtement. Faut faire attention à ça. Attention à la jalousie et à la méchanceté gratuite aussi. Hein? Cependant, on a acquisition. Il y a une grande prudence qui est recommandée et ça concerne l'entourage. D'accord, ça c'est important. Voilà. On n'aurait pas que l'entourage vienne mettre le bordel, excuse-moi l'expression, dans une relation qui pourtant, où les sentiments, on l'a vu, sont forts. Hein. Donc justement, il y a une puissance sur les événements. Donc pour moi, l'amour vaincra. Hein, c'est de ça aussi que ça parle. Hein. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai acquisition, c'est favorable, ça nous parle de croissance, de progrès aussi. Hein, ça correspond au mois de mars, on est sur une durée de 4 à 6 mois. Alors, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre... on est en février. Ouais. 4 à 6 mois, on peut aller jusqu'en octobre. Donc, les choses, elles peuvent évoluer positivement. On va regarder. J'aimerais bien faire le professionnel aussi. Voilà, là, on voit peut-être que c'est les montagnes russes en ce moment dans le domaine sentimental. On nous parle de ça, pour toi.
Mais là, pour ton autre, il est question d'une purification du corps et de son esprit. Il va aller trouver son joyau intérieur, son diamant intérieur. Il va découvrir qui il est, au fond, véritablement. Et on te dit, dans cette relation, l'issue de la guidance, c'est une question de timing. Voilà, il y a une question de timing dans cette histoire. Hop là, je recouvre. Alors, peut-être que toi, tu penses que ton autre a des conquêtes nombreuses. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Oups. Oui, non, peut-être parce qu'il y a un choix à faire, effectivement. C'est le temps de la décision, c'est le temps du choix. Mais t'as vu, on avait dit que c'était une question de timing. Alors, c'est quoi l'issue de la guidance suite à ça? Ça va aller dans quel sens? Ça veut pas sortir. Hop, si, ça veut sortir. Eh bien, ça va dans le sens de l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne aussi autour de vous. Donc c'est trouver l'harmonie en toi, ne pas être dans des incertitudes ou de te monter toute une histoire ici. Le choix, ça va être dans le sens de l'harmonie. Et oui, on parle d'une belle romance, une relation romantique et amoureuse pour toi. Et pour lui, eh bien, on parle que, on va lui dire que tous les charmes sont permis, mais avec lui est sortie la bénédiction aussi. Hein, il est béni. Donc là, on a quelqu'un qui va revenir te séduire, hein, certainement. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. J'ai une autre carte qui est sortie en même temps que celle-ci. C'est celle-là. À partir du moment où ni l'un ni l'autre ne se mentent. Hein, attention à ne pas se mentir à soi-même. Ça, c'est important. Voilà. On va passer au professionnel. Que j'ai un peu de temps avec le normand pour le pro. De quoi s'agit-il aussi aujourd'hui pour le pro? Il faut aller vite avec le normand s'il y a tellement de choses à dire. Ben voilà, il faut aller vite, tu vois, ça sort. Ça. Allez. Il est question... Alors, pour moi, il y a vraiment un lien avec la famille. Peut-être qu'on a des entreprises familiales où la famille, en tout cas, soutient... Oh là, j'ai trois... Ouf, j'en ai beaucoup, là. C'est beaucoup sorti. Allez, c'est pas grave. 1, 2, 3. On va mettre l'homme au centre. Il peut y avoir le soutien d'un homme. 4 et 5. Ben, ça, c'était pas prévu. Alors, attends, je vais te faire ça le mieux que je peux. Donc là, ce qui m'est raconté, je ne vais pas pouvoir aller dans le détail exactement. Je n'ai pas le temps en 15 minutes, puisque je rappelle que je fais ces petites vidéos de 15 minutes pour le format Instagram essentiellement. Eh bien, ici, il est question vraiment de... Voilà, malgré les difficultés par le passé, la perte certainement d'un travail, d'un emploi qu'on peut retrouver sur ces deux petits sujets ici, eh bien, on vole vers quelque chose d'autre, hein, qui sera vraiment bénéfique pour le futur. Même si y a un entourage professionnel qui est peut-être faux et qui a apporté beaucoup de soucis, tu t'en éloignes, on le voit ici, l'aigle enlève le crapaud. Et ici, tu as la protection de Jupiter. Il y a une notion aussi de structure, de persévérance ici. Hein. En tous les cas, il y a la force et la protection. Et là aussi, ici, la force et la protection, c'est la victoire, hein, dans les combats. Donc, si il y a eu des conflits ou qu'il faut aller au prud'homme ou quoi, tu as la victoire dessus. Donc, je m'inquiète pas du tout pour toi. En plus, on a Laetitia. Laetitia, c'est la joie ici. C'est le mois de mai. Voilà. On voit qu'il y a certainement la fin d'une situation professionnelle avec Amicio ici. On a la perte, mais là aussi, parce qu'on dit, on nous dit que tu t'éloignes de quelque chose qui est nuisible. Il y a une notion de clan, de famille, peut-être justement de clan professionnel, de réseau professionnel qui est là et qui est porteur, hein, qui apporte vraiment tout son soutien, qui apporte tout son soutien dans le travail. Et c'est important de puiser chez ses proches et puiser dans son réseau. Voilà, pour vraiment vaincre toutes les situations, quelles qu'elles soient. Hein. Donc là, si je vais dans le futur, parce que c'est ce qui va t'importer le plus, à droite c'est le passé, à gauche c'est le futur. D'abord, on te dit dans le passé que tu t'éloignes de ce qui est nuisible. Hein. Et puis, dans le futur, très clairement,
Eh bien, il est question avec Jupiter aussi de volonté et d'autorité. Ici, il y a une confiance en soi qui revient, il y a un optimisme qui revient, qui permet vraiment d'avoir des satisfactions dans le domaine professionnel. On n'hésite pas à faire jouer vraiment ses relations. Et il y a un avantage dans les affaires, hein. En tout cas, il y a une tranquillité, une sérénité qui va revenir voilà, pour toi. Les choses, elles sont protégées, il y a une belle protection. Pour moi, ça va bien avancer. Donc, ne t'inquiète pas, ça évolue et ça évolue vraiment très très bien.